deux recommandations du prophète alayhi salatu wassalam. La première, c'est une invocation qu'il a enseignée à Mouad. Et la deuxième, c'est une invocation que lui-même alayhi salatu wassalam récitait tout le temps. Et ça, on doit vivre avec et mourir avec. Il dit, oh Mouad, je t'aime. Imaginez-vous quelqu'un de pieux, un savant, vous dit, je t'aime. Déjà là, tu... un roi te dit, je t'aime. Ah, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam dit, Foulen, Mohammed, je t'aime. Ça y est, khlas, t'as tout gagné. Ah, il peut m'arriver ce qui m'arrive, khlas. Eh bien, il dit, oh Mouad, je t'aime. Je vais t'apprendre des paroles. Récite-les tout le temps. Ne les laisse jamais après chaque prière. Les cinq prières, les abandonne jamais. Les cinq prières obligatoires. Il lui dit, dis après chaque prière, quand tu as terminé ta prière, certains savants ont dit, c'est juste avant Teslim, quand tu as fini de tashahoud. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. La preuve que la rectitude, on peut l'avoir qu'en demandant de l'aide auprès d'Allah. On ne peut pas l'avoir tout seul. Faites cette dua tout le temps après les prières. Allahumma a'inni, oh Allah, aide-moi à t'évoquer, à penser à toi, à la dhikrika wa shukrika, à être reconnaissant, à la husni ibadatik et à t'adorer de la meilleure.